just going home. Have a late, late show. Pour une nouvelle vidéo, ça va être un weekly vlog. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un weekly vlog parce que j'ai un peu du mal avec le concept des jours. Donc, à chaque fois, je commence le jeudi et je finis le mardi, donc voilà. Donc, aujourd'hui, on est mercredi et je suis à Paris, donc c'est plutôt cool. Bref, donc aujourd'hui, bon, il est très tard. Hier, on allait prendre un verre avec Rémi, donc que vous coco peut-être. Et voilà, j'ai pris un Monaco en 50 centilitres, mais quelle idée! Donc là, on va aller visiter un peu, on va marcher et voilà. Donc petit sandwich de ce midi, Marc & Spencer. Quand un jour se lève sur la planète France, je sors doucement de mes rêves, je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, on est jeudi, attendez, je vais vous poser, je vais vous parler un peu. On est jeudi, on est vendredi. On est vendredi. On est vendredi déjà. Déjà, je vlog pas beaucoup parce que ma caméra, c'est trop chiant, je dois l'allumer avec une clé comme elle bug, qu'elle marche plus, donc j'ai trop hâte de récupérer l'ancienne. J'aime trop Paris, j'ai mes notes de partiel qui arrivent et ça va pas du tout. Enfin bon, je profite de ces vacances là parce que je pense que c'est mes dernières. Avant les rattrapages. L'autre jour, je suis sortie avec Rémi. On est sortis en boîte et tout. C'était assez cool. Et sinon, bon, j'ai pas fait. Enfin, on n'a pas visité les classiques en mode le Louvre et tout parce que la plupart, j'ai déjà fait. Et en plus, enfin, genre là, je vis pas trop le truc en mode touriste en fait. Plus en mode j'habite dans la capitale, j'ai ses avantages et ses inconvénients. Bref, et donc là aujourd'hui on va aller voir Montmartre. Genre vraiment Montmartre c'est un endroit que j'aime trop. À chaque fois que je vais à Paris j'aime trop aller à Montmartre. Je sais pas pourquoi mais je trouve que c'est trop, il y a trop une âme d'artiste là-bas. Let's go. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. À la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de l'eau, même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Thank you.
Donc là, ma douche, mes toilettes et ma cuisine. On va exposer. Les gnocchis. Petit repas de fortune. Mais joli. Voici le look quand je vais chercher le pain. On adore. Coucou tout le monde, je vous retrouve le soir, je suis rentrée à Lille, les vacances c'est fini, le retour à la réalité. Donc je vais faire un petit bilan sur Paris et puis après je vais vous dire la petite nouvelle. Paris c'est vachement cool, enfin vraiment c'est une ville que j'aime beaucoup beaucoup depuis plusieurs années. Vous allez peut-être vous dire pourquoi je ne suis pas allée à Paris, parce que mon école est à Paris et j'aurais pu la demander, enfin j'aurais pu y aller. Mais j'ai vraiment réfléchi, déjà on m'a dit que le campus de Lille était vraiment cool pour mon école. Aussi Paris c'est très très cher, vraiment genre ça n'a rien à voir avec Lille en termes des logements surtout. Et je sais que le jour où je vivrai à Paris, en fait c'est parce que j'aurai, enfin si un jour j'y vais, les moyens de vivre, on va dire, confortablement, parce qu'il y a tellement... Enfin, on voit beaucoup, je pense, de photos, de trucs sur Paris et tout, mais beaucoup de gens vivent dans la précarité quand même, genre Paris. Il y a aussi voilà, l'envers du décor, hein, faut pas l'oublier. Les logements, c'est tellement cher qu'il y a des trucs improbables qui se louent. Enfin bref, je sais pas si je vous ferai une vidéo spéciale sur Paris parce que j'ai trop des anecdotes à raconter. Et genre, vraiment, il y a des trucs, mais quand t'es pas parisien, t'es... Et j'aime énormément Paris, c'est une ville qui m'inspire énormément. Et je sais qu'un jour j'ai envie d'y vivre, mais vraiment, genre pas être en mode touriste. Je l'ai un peu vécu là parce que, vu que j'étais qu'avec mes proches qui habitent à Paris, bah eux ils vivent dans Paris, donc j'ai un peu vécu genre les galères de métro, toutes les conneries comme ça. Mais j'ai jamais. Enfin, j'aimerais trop y vivre en mode avoir le temps de me poser sur Paris et de pouvoir. Créer là-bas, c'est hyper inspirant. Il y a tellement d'artistes qui sont passés par là et ça me saoule parce que ça fait tellement cliché de dire ça. On est d'accord, genre Paris c'est une ville quand même super à la mode et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin genre, je vais pas dire qu'ils sont pas légitimes parce que c'est faux, genre je suis pas plus légitime que d'autres gens, mais vous savez, qui vont faire genre oh je kiffe Paris parce que tout le monde kiffe Paris, enfin je sais pas si c'est très clair, mais bref, moi je sais que j'ai vraiment été bercée, on va dire, par on va dire cette, une sorte de culture littéraire, enfin je sais pas si ça se dit. Puis je suis pas hyper calée en peinture, j'aimerais bien l'être plus, ça m'intéresse pas toujours, mais je m'intéresse plus en fait à la vie des artistes qu'aux artistes eux-mêmes, genre on s'éloigne carrément. Mais c'est pour ça que j'aime trop aller dans Montmartre et tout, où j'aime trop des fois voir des noms de rue d'artistes que j'aime bien, que j'admire, enfin bref. Donc voilà, puis on a atteint les 20k, enfin je crois, enfin on est à 97. Mais après je vais aller me doucher et me coucher, donc voilà, bah à la vôtre quoi. Je peux juste vous chiner avec une patate douce. Bref, c'est trop trop cool, merci beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment du mal à être sur YouTube et tout, parce que en fait à chaque fois que je fais une vidéo je culpabilise de pas travailler parce que mes résultats c'est vraiment genre la catastrophe. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que genre j'aime plus YouTube. C'est toujours un réseau que j'adore, vraiment j'adore être sur YouTube, j'adore partager sur YouTube. Bref, on en vient à un point, je vais pas m'étaler trop sur le fait que je suis trop contente et tout, parce que vraiment genre... Enfin, moi je suis contente dès que j'ai de nouveaux abonnés, dès que j'ai des retours, donc voilà, mais ça me fait énormément plaisir. Pour vous remercier, en fait, j'aimerais bien faire un petit truc, c'est que vous me partagiez si vous êtes des créateurs, donc que ce soit youtubeur, créateur de contenu, mais aussi, mais n'importe quoi, genre que vous ayez écrit un livre, que vous fassiez des dessins, enfin des fois en fait vous m'envoyez des DM et tout pour en parler et moi je vais sur vos comptes parce que ça m'intéresse de voir. Pire stalker de l'univers, et genre je me dis, je suis grave admiratrice du travail que certains font, donc voilà, n'hésitez pas à me partager. Je sais pas s'il y aura beaucoup de gens, s'il y a beaucoup de gens qui créent, voilà, j'essaierai d'en partager au maximum, donc voilà, enfin c'est cool. Et puis dedans je pourrais vous donner peut-être mes conseils, pas pour percer ou quoi, parce que je déteste putain les formations là qui sont insupportables sur Instagram, mais plus pour genre réussir à persévérer. Je pense que c'est vraiment la
mon mot-clé de ma chaîne, la persévérance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui n'en est pas du tout à 20k, enfin 1000k, mais bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc bisous la mif, bye. Ah si, commentez aussi, genre si vous aimez Paris, genre quel est votre endroit préféré à Paris, comme ça je saurai. Et si vous venez d'une autre ville et que vous êtes jamais allé à Paris, genre dites-moi, parce que j'ai trop envie de visiter la France. Et comme j'ai pas énormément de temps cette année pour partir dans d'autres pays, genre je kifferais aller dans des pays en France et tout. Donc voilà.